and an addiction, you know, could be quite radical. But many people, you know, may think the opposite as well. And that's just following on that idea of that bringing young people in early could actually be a safer and more effective way to tackle it. So there's lots to think about there. Harm reduction, yeah. I think that's what we call it. For me, the standout session was really about improving road safety. That was really surprising. Those numbers are shocking. One adolescent in youth death every 2 minutes around the world, that is completely unacceptable. But please keep engaging on social media. We'd like to hear your thoughts, your perspectives, and your ideas in terms of how you're finding the respective sessions. Use the hashtag 1.8, that's 1POINT8, across all social media platforms, and we'll be following all streams, really trying to keep track of what you're saying, what you're liking, and what you want to see more of during the course of today. That's right. I'm so excited for the rest of the sessions. And I'm about to tell everybody what a couple of the next sessions that are coming up are. So now for our core session, that's this morning. It's one is about resilience and one is about investment. Now, the first one is called If Only You Would Listen, a conversation between adolescents and global experts on building resilience in an uncertain world. The second is called Invest We Must. The time is now, making the case for adolescent well-being. And well, I think that title says it all. I'm really loving the sense of urgency in all of these titles. They're very timely. Now we have some great content for you, and we hope you'll enjoy listening to the wonderful poet, Sammy Rhymes, who performed recently at the legendary Glastonbury Festival. She's performing the 1.8 billion campaign poem, and she is definitely going to blow you away with this poem. And then we have some excellent pieces of content from incredible events from the African continent. So we're heading to Ghana and Zimbabwe. See you in an hour. Great to be here. I just want to give a big shout out to the White Ribbon Alliance for having me here. So I'm here to share a poem today, capturing the voices of 1.8 billion young people out here today. They've got a lot to say, and I just wanted to capture that peacefully through a protest through this poem. And it's called 1.8 billion strong, simply because their voices are powerful, and I really hope I capture this through this poem. So here goes. A young mother in the camps told me they only turn the lights on twice a day. Once at dawn when they get up to pray, and once towards the end of the day. An opportunity to put the darkness away, tackle the suicidal thoughts and put the trauma at bay. The children didn't have too much to say, other than the fact that they're grateful for being able to break fast every day, walk to school and back home to play. They say they know these hard times aren't here to stay, and that they are gonna make changes one day soon, as soon as they make room at the table and start to listen. The people in charge have long been abused as a power that's given. It's only the same power cuts can be applied to corruptors embedded in the system. The first task of any leader or politician is to ask, and the second is to listen. We want transparency on the hidden, everything from the cost of living to the cost of giving, because too many are living below the line. Many say they are okay, but they are not fine, physically unwell and mentally in decline. And even in these times, our girls are undermined and marginalized. Education's been cast aside for 12 million worldwide underage brides who are forced to loosen up when things are tighter than tight, because money is tight, considered a burden, sold off or sterilized by surgeons through coercion, captured and moved from rural to urban, sold to a man more than twice her age, understandably full of rage but silence, living cage but bearing the brunt of violence, becoming stock during climate shocks and health epidemics, lacking access to menstrual products, prescribed pills and medics, going through pandemic after pandemic, and life is far from epic for those who only venture out to shore, an adventure where mother and child remain unsure of destination, passing ports only to be captured by immigration, fleeing from famine and war-torn nations, seeking freedom from oppressive obligations enforced by leaders running corrupt corporations. Many want to lead, but very few successfully do it without meeting an axe or a bullet, assassinated from close range for bringing about change. And if things are to change globally, we need to openly converse with the youth and consult them when we set goals, for they are currently left out in the cold and underrepresented in polls, governed by souls with self-serving goals. We need to involve more Malala.
Kamalas and Gretas have policies shaped and led by Gen Z, for they are the generation of go-getters. In this rat race, they are the pace setters, running around trying to make the world better. And those in power should know better but to turn them away. Let them have their say, for they are the voice of tomorrow and the voice of today. 1.8 billion strong, with opinions of what's right and what's wrong. Powerful voices, they want consent and childbirth choices. They are tired of being raped, trafficked and exploited, often ignored and undervalued despite bringing so much value. They demand inclusion, equitable distribution and push for the evolution of environmental friendly sustainable solutions. But we need a fusion of experienced allies and young advocates to collaborate and find these solutions. We are 1.8 billion strong, with opinions of what's right and what's wrong. We have tactics and we have tongues. Don't dismiss us because we're young. Let us unite, rise and lead. Let us plant the seed, for there is nothing about us without us. Listen to our plea. Thank you. Oh, Sammy, thank you so much. Gosh. The internet is the invention of our lifetime. It's the thing we turn to for the answers to almost anything. Now, imagine not having it. Around the world, mobile phones are bringing people closer to being connected. But the truth is, not everyone can afford the data bills, especially those in hard-to-reach areas. There's a big gap, and the Internet of Good Things is working hard to bridge it, bringing locally relevant, life-saving information and educational content closer to the people and communities who need it most, for free. And it's working. The Internet of Good Things is helping parents in the poorest and most remote areas provide the best care for their children. It's empowering young people to understand and defend their rights. In emergencies, it's a valuable source of real-time information, and around the world, it's providing a voice to the community. Through partnerships, the Internet of Good Things has the potential to reach 1 billion people. But to close all the gaps, we need to build a lot more bridges. With more people on board, more communities can be connected, and more lives will be changed. Internet of Good Things. Live better today. Good day, everyone, and welcome to the National Youth Forum on Adolescent Health and Wellbeing. This is one of over 100 national events leading up to the Global Forum. The goal of the Global Forum is to make sure the world takes us seriously and that our well-being and health are a priority. Working with mobilizers to hear what the young people want through the 1.8 billion campaign, our leaders must address these issues. And to improve my well-being, I want the government of Ghana to reduce all the taxes imposed on sanitary pads to allow all girls to be able to access it. And to improve upon my well-being, I would like more police stations to be set in the rural and urban areas to help create a safe environment for girls. Thank you. To improve my well-being, I'm pushing for there to be better roads for our young people to be on. Thank you. To improve my well-being, I want to live in a community which provides me with a house system where I feel safe and secure. As part of my well-being, I would like there to be more affordable, accessible, and more friendly healthcare services, especially for young people in Ghana. Linja ni Makanini, we are from Zimbabwe. We are part of the 1.8 billion voices of young people. Hey yo, what's up? My name is Leon Tinashe Matera, all the way from Zimbabwe. As young people in Zimbabwe, we dream of a country that includes all young people in all its decisions, because anything without the total involvement of youth is not for youth. Thank you. Hi guys, my name is Diana Manditsera. According to the Constitution of Zimbabwe, we have the right to health, but however, how can I have the right to health
without water, without sanitation. Month by month, I face challenges, especially when I'm on my menstrual cycle. So, as individuals and community and the government at large, it is our responsibility to ensure that there is good water and sanitation. Hello to everyone joining us for this. Bonjour tout le monde qui va participer à cette séance. Je suis Lakri Chabanois, j'ai 14 ans et je vis à Mumbai, Indie, Inde. Et je suis au 9e année d'école et je suis intéressé à aider les personnes à changer leur mentalité pour le meilleur. Et aussi, je suis intéressé au comportement et les idéologies. J'aime beaucoup lire des livres. C'est ça. Oui, bienvenue tout le monde qui va participer à cette séance sur les adolescences. Et je suis Madhya Majen, j'ai 17 ans. Je suis en train d'étudier administration publique, en français aussi, et j'aime beaucoup la psychologie humaine et tout le monde devrait avoir de la santé mentale et le stigma ne devrait pas être un problème pour ces personnes. Et je fais partie aussi du conseil de coordination. Et aujourd'hui, nous sommes là pour modérer et donner aux voix adolescentes dans cette conversation sur les habiletés de la vie qui peut être critique pour les adolescents dans un monde complexe. Mais avant de parler de ça, il faut savoir qu'est-ce qui a été fait pour résoudre le problème. Le long de la conversation, il faut engager le public pour participer avec nous. Dans le chat box, il y a un lien pour les enquêtes. La première, quels sont les plus grands défis globaux pour les adolescents? La deuxième question, quelles sont les capacités et les habiletés pour surmonter, les défis? Ce sont les deux questions. Donc, qu'est-ce qui a fait de notre monde un monde incertain? Il y a plusieurs défis globaux et la pandémie a affecté tout le monde, mais a apporté des défis pour les adolescents qui sont encore plus grands. Et les écoles étaient fermées, il y avait l'isolement. Et nous avons perdu beaucoup de personnes. Oui, mais même avec la fin de la pandémie, dans tout le monde, il y a encore d'autres défis qui causent des problèmes pour les adolescents atteindre leur potentiel. Et le chômage, la pauvreté, la santé mentale, les problèmes domestiques, le mariage, ce sont quelques problèmes qui impactent l'adolescence. Tout le jour dans tout le monde. Pour avoir un monde meilleur, c'est important d'équiper les adolescents avec les outils qui vont les aider à solutionner ce type de crise. Et pendant cette séance, on va parler d'un des outils, la résilience. Oui, la seule chose qui promeut la résilience, c'est essayer. Par exemple, des programmes comme le support économique pour les adolescents, accès à des écoles sûres peuvent faire les adolescents devenir des adultes d'une forme sûre. Et nous essayons de raconter ce que nous pouvons faire pour promouvoir ça et aussi pour que les personnes aient de l'autonomie. But first,
Mais d'abord, on va écouter des jeunes dans l'Inde sur les défis qu'ils font face et qu'est-ce qu'ils pensent, qui sont les priorités pour approach les défis du futur. Vous pouvez décrire un défi de votre communauté. Dans mon opinion, si on regarde le présent, le plus grand défi, c'est le chômage. Dans les dernières 5 années, la pandémie de COVID. Dans les dernières 5 années, c'était les inondations et la sécheresse. Dans notre région, les inondations et les impacts dans notre éducation. Dans les dernières 5 années, il y a eu des problèmes de santé physique et mentale. Et aussi, les changements se sont passés dans notre corps et nous ne comprenons pas. Par exemple, j'ai mon période. À mon avis, dans les dernières 5 années, l'inflation a été un grand problème. Pendant la COVID, beaucoup de filles se sont mariées. Il y a une pression énorme. Nous sommes affectés par le chômage. Comment ces défis impactent toi et ta famille? Pendant l'époque de pluie, les plantations ont été réduites à presque la moitié qu'elles devraient être. Ma famille dépend de l'agriculture. L'économie est affectée. Et ça impacte aussi mon éducation et l'environnement. Par exemple, je suis dehors des classes, je ne peux pas payer les frais de l'école. Pendant l'isolement, beaucoup de personnes ont perdu leurs emplois. L'éducation a été affectée énormément et aussi les travaux des familles. Nous n'avons pas de sécurité. À cause des inondations, les écoles ont été fermées. Nous ne pouvons pas avoir de transport. Les étudiants, les professeurs sont incapables d'arriver aux écoles. Nous devenons malades à cause des inondations. Le chômage augmente et on se sent très mal. C'est un grand poids pour toute la famille. Est-ce que votre famille a reçu le soutien financier? Nous n'avons pas reçu aucune chose, même des aliments, même de l'argent. Et d'autres types d'assistance n'étaient pas disponibles. Si on parle des jeunes, ils ont reçu de l'assistance. Par exemple, on a un schéma appelé schéma de carte de crédit aux étudiants et on donne 400 000 roupies pour leur éducation. Après la deuxième année de l'école, j'ai reçu 10 000 roupies et après la deuxième, j'ai reçu un autre agent. Je n'ai pas reçu de l'assistance financière. Les étudiants ne peuvent pas payer pour leurs cours. Par exemple, après la deuxième année, j'ai reçu un peu d'argent, mais après ça, l'argent n'est plus arrivé. Ce n'est pas exactement une assistance. C'est un type de prêt. Et comment les personnes peuvent se récupérer de tous ces défis, de cette crise? Il faut être entrepreneur. Il faut créer son business. Il faut se développer économiquement et aussi pour donner un meilleur futur pour les familles. Le gouvernement devrait donner des provisions pour les personnes les plus pauvres et qui ont les désavantages économiques, qui ne peuvent pas payer pour leur maison et leur loyer, par exemple.
Il faut être informé sur notre santé physique le plus possible. Ce type de conseil devrait être donné comme, dans l'éducation pour nous aider. Avec les inondations constantes, il y a un problème de transport, de bateaux et aussi il n'y a pas comment résoudre le problème des eaux. Le gouvernement devrait donner les travaux techniques pour les jeunes et aussi baisser les intérêts et les loyers. Le gouvernement devrait prioriser le développement des habilités des personnes avec des courses techniques dans chaque région, dans chaque village. Il faut communiquer avec les parents parce qu'ils pensent dans leurs décisions qu'est-ce qu'ils font avec leurs enfants. Dans ces 5 minutes, nous avons appris qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de défis à résoudre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va trouver quelques réponses. Donc, nous avons Dr. Richard, une leader de politique et d'éducation de l'Université de Cape Town en Afrique du Sud et aussi l'Université de Oxford au Royaume-Uni. Elle travaille dans un hub accélérateur et avec d'autres chercheurs de carrière. Avant de participer à ce hub, elle a travaillé dans la société civile UNICEF et focalisé en pauvreté et inégalité. Salut, Raquel. Nous avons aussi Jennifer. Elle travaille comme chef pour l'UNICEF dans le domaine de la pauvreté. Elle a travaillé dans l'inclusion sociale, économie, justice sociale, dans plusieurs domaines. Elle nous apporte une connaissance sur la pauvreté et une analyse économique très ample et avec une expérience pour la protection sociale et des programmes dans des pays en développement, y compris l'humanité. Salut, Jen. Et aussi Jeffrey Sabino. Jeffrey est de Honduras. Il étudie le droit maintenant dans l'Université autonome d'Honduras. Jeffrey a beaucoup d'expertise en droits de l'homme et LGBT, les droits de reproduction et engagement. Jeffrey also est un bénévole et dans d'autres organisations de société civile pour la diversité sexuelle et le droit. Il est cofondateur de l'Université de la diversité sexuelle qui promeut l'inclusion. Salut, Jeffrey. Et finalement, nous avons Selinga Sumbenu. Selinga est une scientiste sociale et démographique et travaille à Cape Town. Elle essaie de comprendre comment l'adolescence et l'empowerment va donner une santé aux jeunes africains, y compris le mariage des jeunes et le droit sexuel. Salut, Selinga. Bienvenue à nos invités et nous espérons écouter vos échanges et comment construire la résilience pour les jeunes et surmonter quelques de ces défis. On va commencer avec vous, Jeffrey. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est la résilience et qu'est-ce que ça signifie pour les adolescents? Et si possible, s'il vous plaît, de partager des exemples. Quand on parle sur la résilience, on entend en anglais, c'est important de reconnaître son importance, surtout pour les jeunes, de définir comme une capacité qui permet les individuels de faire face donc, aux adversités. Donc, alors, c'est
temps avec les expériences, temps et d'expérience. Quand on a plusieurs jeunes, nous sommes sous la pression, on a beaucoup de changements intérieurs et extérieurs. Aussi, on a plusieurs défis qui peuvent être insurmontables. Donc, ces défis des transformations psychologiques, émotionnelles, des pressions académiques, la relation de pair et une formation de vie dans les un moment de haute découverte intérieure et aussi transformation extérieure nous donne d'importantes compétences qui nous permettent de continuer et de faire face aux difficultés et aussi de lutter contre celles-ci. C'est encore, on a l'habilité de s'adapter, de persévérer, de trouver des solutions constructives pour défier aussi, ça vaut mieux le développement de la capacité de faire face aux changements. Par exemple, quand on parle d'accès à des questions, peut-être quelques-uns vont de façon consciente pour développer la résilience. Il y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas accès à l'éducation et donc n'ont pas accès aux ressources face aux défis de façon effective. On peut penser aussi aux centres d'éducation dans leur là et essayer de parler à fond sur ces questions et avoir donc une approche plus holistique. Et je conclue en disant que si l'on attend beaucoup des jeunes, puisque nous sommes entre guillemets l'avenir, en fait, nous sommes le présent. On a besoin et on veut avoir l'accès à l'éducation encouragée et une éducation ouverte et aussi habiliter les jeunes à s'engager à l'éducation complexe du monde. Il ne faut pas attendre à ce que nous soyons des adultes pour développer ces compétences et donc prendre des actions. Merci. Donc, merci Geoffrey. Et comment pouvons-nous penser donc à l'avenir? Moi, je suis d'accord que l'on ne veut pas que les adultes développent des compétences seulement à l'avenir. On a besoin. Donc, allons voir Céline. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre le concept de cette agence? Quel est le rôle des agences dans, en ce qui concerne la résilience? Merci. Merci. En fait, allons commencer en définissant ce que ça veut dire résilience. L'agence rapporte donc à l'habilité d'une personne de faire des choix ou décisions sur leur vie et prendre des mesures pour parvenir à ses objectifs. Ceci donc inclut des décisions sur l'éducation, la carrière, les emplois, les relations et aussi quand on est adolescent. Et donc, ça inclut savoir quand est-ce qu'on veut se marier, avec qui et quand est-ce qu'on veut avoir des enfants et si l'on veut ou non utiliser une certaine mesure de contraception. Et aussi, en utilisant cet exemple, je vous remets donc à la pandémie de la COVID et donc l'agence a un rôle très important dans le développement de la résilience. Par exemple, quand on a dû faire les études de façon remote et donc les personnes n'avaient pas tellement accès au matériel scolaire et on n'avait pas quelques-uns accès à l'Internet. Il y a eu des problèmes techniques aussi pour ceux qui étudiaient en ligne. Et donc, l'agence a joué un rôle important en ce qui concerne les choix et pour faire des actions pour influencer leur éducation. Et donc, nous avions plusieurs circonstances. Ils devaient prendre des décisions sur le développement de routines en ce qui concerne l'étude et aussi améliorer l'éducation et chercher donc du soutien pour
étudié donc à partir des membres de la famille. Donc, en résumé, en bref, je dirais que l'agence a un rôle important dans le développement de la résilience, puisque ça crée la confiance sur soi-même et aussi aide à régler les problèmes de compétences, va aider à promouvoir la responsabilité personnelle des actions et aide aussi pour parvenir aux objectifs. Et donc, c'est important, donc, puisque toutes ces caractéristiques aident les personnes à créer la résilience. Merci. C'est Linga. Donc, on voit que l'agence est la compétence de prendre charge donc de sa vie et de ses décisions. Donc, c'est une capacité qui est centrée sur les initiatives de parvenir donc à présenter des objectifs. Et donc, on a une responsabilité en ce qui concerne les résultats des décisions. Je me demande, je vais vous poser, est-ce que c'est besoin de développer une agence significative au sein des adolescents? Donc, pourquoi on est encore dépendant des adultes? Merci. Bon, c'est une question intéressante. Donc, les adolescents peuvent être... L'adolescence est une période merveilleuse, mais quelquefois aussi, elle fait peur. Et donc, il y a beaucoup de changements qui ont lieu dans nos corps, dans nos cerveaux et dans nos relations. Et donc, surtout les adultes dans nos vies, des parents ou n'importe d'autre soignant, par exemple. Donc, il y a beaucoup de changements qui ont lieu en même temps. Donc, on veut essayer de nouvelles choses, on veut prendre des risques. Et donc, ceci peut être vraiment un défi. Et toujours, aussi, c'est une période où on apprend beaucoup. On veut savoir ce que l'on veut être en tant qu'adulte. Ça change la forme dans laquelle on se rapporte avec les autres personnes. Donc, ce que je veux dire, en fait, que dans des agences de développement et des résiliences, les jeunes veulent et partager leurs besoins. Et donc, et pour que l'on puisse avoir une transition positive, il faut que ceci se passe d'une façon sûre et positive. Et donc, il faut que l'on ait des outils, disons, sécurisés. Et donc, par exemple, il y a aussi le point financier des gens qui habitent dans la pauvreté. Et donc, quelquefois, ils sont menés à se comporter d'une certaine façon. Et donc, c'est important aussi. C'est important quand on pense à soutenir les personnes, les agences, penser sur ces relations critiques dans la vie des personnes et se certifier que dans l'adolescence, les gens puissent avoir les meilleurs outils pour leur avenir et pour assurer que les adolescents puissent entrer dans la vie adulte de la meilleure façon possible. Et je vais détailler cela plus tard aussi. Merci, Rachel. Et donc, si on comprend donc le cerveau des adolescents, quel est le concept d'entrée donc dans la vie adulte en ce qui concerne les droits? Jen, je voulais vous poser une question sur le soutien financier qui est nécessaire pour soutenir les adolescents et les soignants. Bon, est-ce que vous pouvez parler sur la sécurité économique, expliquer ceci avec un exemple? Aussi, qu'est-ce que les gouvernements et les ONG ont besoin pour financer les adolescents? Bon, merci. Ce que Rachel a dit sur l'économie, la sécurité économique était fondamentale. Bon, je pense que c'est important de voir que ceci est un droit fondamental pour toutes les personnes, pour les jeunes, et donc aussi parce que ça assure d'autres droits. Donc, si on parle de crédit économique, savoir un peu mener à d'autres points. Vous avez pas entendu parler sur les jeunes adolescentes et qui ont des priorités
par exemple, pas d'inclusion, santé. Non, on a quelques chiffres, mais on a doublé les chiffres. Les filles de entre 15 et 19 n'ont presque pas d'éducation, emploi ou formation aussi. En ce qui concerne l'éducation primaire pour les jeunes, équité, parité en termes de genre, etc. Et donc, les jeunes n'ont pas toujours accès aux études supérieures. Et donc, ce sont quelques défis, aussi comme l'insécurité financière, l'exclusion des adolescentes dans le monde. Donc, l'aider est, avec tous ces défis, la sécurité économique, ça veut dire que les jeunes adolescentes et les familles n'ont pas une économie stable, et donc, il n'y a pas une sécurité financière qui fasse qu'elles aient accès à de l'éducation, à des emplois, et donc il y a toute une insécurité sociale, par exemple, et donc manque de financement, et donc l'un des outils importants est la sécurité, par exemple des programmes de transfert en espèces pour les adolescents, sécurité sociale et support économique, ce que l'on a déjà expliqué. Et donc, en tant qu'UNICEF, nous soutenons les gouvernements à établir ces systèmes et donc de pouvoir donc la santé et les besoins de nutrition qui nous permettent de améliorer la vie des jeunes et de travailler pour cela. Juste pour vous donner un exemple, on a des transferts en espèces, sont un instrument pour assurer que les jeunes les plus vulnérables, normalement invisibles, aient accès donc à de meilleures conditions d'études et donc, par exemple, en remplaçant, par exemple, le besoin de travailler ou acheter des uniformes, éviter des commerces entre les jeunes, au lieu d'aller à l'école, ils vont travailler. Et donc, ceci, ça aide à assurer que les jeunes aient accès à l'éducation inclusive, surtout. Merci, Jen. Donc, la sécurité économique, ça veut dire essentiellement fournir assez d'argent et de soutien pour que les adolescents puissent avoir accès à l'école, à la santé et d'autres moyens. Et quand les parents ne peuvent pas leur fournir ceci. Donc, c'est important de savoir que les gouvernements et les groupes comme l'UNICEF travaillent pour cela. Et donc, à chaque fois plus d'adolescents, y compris les jeunes, ont une opportunité donc d'avoir une meilleure vie. Et donc, je voudrais savoir maintenant parler un peu sur l'importance de l'autonomie. Donc, on a beaucoup de manques. Et donc, dans plusieurs parties du lieu, y compris en Inde, on a encore un numéro élevé de jeunes qui sont enceintes. Donc, on a eu une recherche qui a été réalisée en Inde avec plus de 11 millions de jeunes et l'on a vu qu'il y a beaucoup plus de... On a à peu près 11 millions de jeunes enceintes en Inde en 2016. Et donc, ceci, et on a eu une baisse. Mais comment, vous pouvez savoir peut-être comment vous faites des décisions sur ce sujet, sur la résilience. Comment pouvons-nous créer la résilience? Pouvons-nous nous appeler? Merci. La connaissance est importante. Moi, je pense que la connaissance, la force, le fait de connaître mon corps est important. Quand je connais mon corps, je peux identifier mon projet, je peux continuer à comprendre que ce ne sont pas des machines indestructibles, parce que je ne peux pas
Par exemple, si mon cœur est fatigué ou malade, mon corps est fatigué ou malade, donc il faut penser sur les jeunes corps que nous avons au-delà de nos génitales et des orientations de genre. Donc, si on peut comprendre de façon plus large le corps, les opportunités, les soins, et avoir la liberté de donner, c'est important pour forcer les résilients. La sensibilité, quand on parle en termes de résilience, c'est l'importance de santé sexuelle et de reproduction. Et donc, c'est important pour cette connexion entre la sensibilité et donc. Nos sites, les services, l'éducation sexuelle contre la contraception, il faut se baser sur la protection sexuelle, le point qu'on a fait à service de sexuelle, il faut savoir où est-ce qu'on va y aller, dans quel public, quels seront les services qui sont faits, et créer une ligne directe. Et aussi, agir rapidement, spécialement, ça a l'enfant dans ce genre de situation. Il faut comprendre que le corps est délicat, et donc aussi les sens, et donc de pouvoir prendre des décisions et naviguer pour savoir comment il est fait. Donc, prendre des décisions et prendre de bonnes décisions et éviter la complexité en limitant l'objet confidence. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons parlé de plusieurs formes de comment avoir de la résilience pour l'adolescence. Et aussi, je crois que le point de Jeff, quand il a parlé de connaître son corps et avoir la liberté de prendre des décisions, c'est une partie de la solution. Pour les adolescents, et avoir une décision intelligente a aussi à voir avec les aspirations qu'on a. Merci beaucoup et je pense que les programmes de soutien comme de l'UNICEF, par exemple, combinés avec les autres éléments de la conscientisation, seraient très importants pour traiter les défis globaux auxquels les adolescents font face. Et nous avons une question à vous poser. Rachel, est-ce que nous pouvons commencer avec toi? Au-delà de financement, quelles sont d'autres recommandations pour la construction de la résilience pour les adolescents? Merci beaucoup. Je pense que pour tous nous qui supportons les adolescents, il y a un paradoxe. Il faut garantir la créativité des jeunes dans cette phase de la vie, explorer de nouvelles choses, mais en même temps, la sécurité. Et ça a besoin d'avoir un paquet compréhensif de services et aussi protection sociale, des services pour les jeunes, aussi pour la santé mentale et une éducation de qualité et aussi des services de protection pour les enfants qui vont éviter des abus. Mais il faut aussi avoir du support de la famille, qui ça peut être difficile d'avoir une conversation entre des générations différentes, entre les parents et leurs enfants, par exemple. Et l'Organisation mondiale de la santé et aussi UNICEF, et nous avons d'autres networks, réseaux et d'autres initiatives, on a développé les ressources pour aider les adolescents avec des informations, des habiletés, et ces programmes peuvent aider à promouvoir des conversations, mais aussi quand on regarde à la forme de protéger les personnes contre les violences. On a parlé aussi des programmes qui soutiennent la relation entre les garçons et les filles. Il y a des études qui montrent
comment ça se passe. Et nous avons écouté de Jen de la protection sociale et pour maintenir les filles dans l'école, et aussi comment la protection sociale a eu un grand rôle dans tout ça, dans tous les programmes. Et nous savons que l'accès à l'école, c'est très important comme une plateforme pour les enfants gagner d'autres habiletés et vraiment les aider à atteindre leur potentiel complet. Il y a aussi des services de santé pour les adolescents et pour que la personne sache comment accéder les cliniques de soutien. Et aussi, il faut être respecté à les nécessités des jeunes. Et finalement, il ne faut pas oublier les adolescents qui sont dans une situation très défiante. Ils ont besoin du soutien pour surmonter les difficultés. Et ça, compris les adolescents avec SIDA, les mères adolescentes et aussi les personnes qui vivent dans une région de conflit humanitaire. Personne ne doit être oublié. Merci. Merci, Raquel. J'ai beaucoup aimé l'idée de ces programmes pour l'engagement des adolescents. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Qu'est-ce que vous pensez, Jen, sur le même sujet? Bon, nous sommes presque à la fin, donc une chose c'est reconnaître, et ce panel c'est un bon exemple. Il y a des adolescentes, des filles et aussi des garçons qui luttent pour leurs droits tous les jours et ils passent par des situations très difficiles. Et aussi, quelques filles ont des situations qui montrent comme elles sont résilientes. Et je voulais retourner au point, le point sur les adolescents qui doivent avoir des ressources pour construire. Par exemple, il faut avoir accès à la santé, à la reproduction, à l'assistance et aussi la nutrition et l'alimentation. C'est quelque chose d'essentiel pour savoir quelles sont les priorités dans la vie d'une personne. Avoir aussi une relation saine avec des adultes et ça peut être aussi un soutien économique pendant la transition de l'école au travail et aussi comment on va apprendre à avoir une carrière. Spécialement, les filles ont plus de problèmes. Mais la chose que je voulais enfatiser, c'est que nous reconnaissons qu'il y a des programmes et il faut être plus responsive pour les jeunes pour construire cette résilience. Et pour ça, UNICEF a lancé des partenariats pour avoir plus d'initiatives pour les filles et les femmes pour répondre à leurs besoins et aussi faire des politiques directionnées aux femmes et aux filles, avoir du feedback de ces personnes et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Et aussi pour activer leur agence, leur potentiel. Merci, Jen. C'est définitivement important pour nous d'avoir toutes ces barrières financières et économiques dans l'esprit quand on pense et on veut encourager la résilience des adolescents parce que un jeune est en contrôle, mais il faut avoir de la sécurité de garantir sa survivance. Mais il faut focaliser à construire de la résilience dans cette époque de la vie. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oh, merci. Merci beaucoup à tous les autres panélistes de leur conseil. Il y a nécessité d'engager dans un apprentissage continu. Donc, ça peut comprendre les nouveaux talents et
Les soft skills, par exemple, la communication, et comme nous pouvons voir, il y a le monde est devenu plus numérique chaque année qui passe. Donc, il faut connaître aussi cette réalité pour naviguer dans le monde moderne. Et un autre conseil, c'est de participer dans des activités communautaires, politiques, qui ont à voir avec l'identification des défis, identifier quelques défis comme le mariage des enfants, avoir sa voix comme un participant actif dans ces conversations, des défis auxquels les adolescents font face. Et je voulais ajouter aussi la construction d'un réseau de protection parmi les collègues, parmi les amis. C'est nécessaire d'avoir tout ça pour pouvoir avancer. Merci. Merci, Selinga. Et je reconnais votre point. Jeffrey, qu'est-ce que vous voulez ajouter encore? Merci de la question. Je crois qu'il faut apprendre comment écouter notre corps et connecter à eux. C'est un territoire que nous avons. Nous devons prendre soin de ça. Ce n'est pas possible de solutionner les problèmes du monde si on ne peut pas solutionner le problème de notre corps. Mais si. Et maintenant, nous avons beaucoup d'idées ensemble et nous voulons remercier tous les panélistes pour votre travail et j'espère que toutes les perceptions que nous avons collectées aujourd'hui vont améliorer le bien-être des adolescents. Merci aussi aux participants, aux écouteurs de notre séance. J'espère que vous avez partagé vos idées avec d'autres collègues et aussi j'espère que vous avez beaucoup d'autres idées avec cette séance. Et finalement, il faut participer avec les adolescents. Merci d'avoir participé aujourd'hui et c'est la fin de cette séance. Bonne journée à tous. Au revoir.